quoi? C'est à toi. Eh, je le sais bien, mais j'hésite. Tu n'as pas hésité longtemps jusqu'à demain. Allons, capitaine, nous vous attendons. Eh, c'est que la chose est importante. Ils ont 32. Et nous, combien nous avons? 30. Nous allons en 34. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. Et c'est pour ça que je me demande si Panis coupe à cœur. Si tu avais surveillé le jeu, tu le saurais. Mais dis donc, ne vous gênez pas, vous traînez les cartes, si vous voulez. En tout cas, nous jouons à la muette. Il est défendu de parler. Si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. Des parties de championnat, j'en ai déjà vu. Des dizaines. Mais des tronches comme la tienne, je n'ai jamais vu. Hein. Oui, je me bats toujours si coupe à cœur. Je te prie de ne pas lui faire des signes. Moi, je lui fais des signes, et je bats la mesure. Tu dois avoir dit qu'une seule chose, ton jeu, et toi aussi. Si tu continues à faire des grimaces, je jette les cartes et je rentre chez moi. Bon, d'accord. Ne vous fâchez pas, Panis, ils sont cuits. Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Et je ne résisterais pas une seconde si je savais que Panis coupe à cœur. Je t'ai déjà dit de ne pas parler, même pour dire bonjour à un ami. Je ne dis bonjour à personne. Je réfléchis à haute voix. Eh ben, réfléchis en silence. Monsieur Brun, surveillez ce carte-pig, moi je vais surveiller César. Dis-moi, tu te rends compte comment tu me parles? Comment c'est humiliant pour moi? Tu me prends pour un tricheur. Oh César, je t'ai fait de la peine. Tu me parles comme un scélérat. Ça me fend le cœur. Oh, à moi il me fend le cœur, à toi il te fend rien. Ah, très bien, t'es cœur. Eh pardi, tu lui as dit de jouer cœur, il a joué cœur. Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Tiens, et voilà tes cartes. Crétin hypocrite. Rému repose depuis plus d'un demi-siècle au pied du Pharon, sous les pins de Provence, dans la paix retrouvée de sa ville natale. Mais grâce à cette lampe magique qu'est le cinéma, il continue à jouer dans la fameuse partie de cartes, et c'est pour prouver l'admiration qu'il porte aussi à Marcel Pagnol et à son génie qu'Éric Champ, un autre enfant de Toulon célèbre, a bien voulu prendre les traits et les exclamations d'escarte-figue. Mais si à Marseille, le nom de Rému est lié à tout jamais à celui de César, à Toulon, par contre, sa patrie, il a été supplanté par celui de Félix Mayol. Car du côté de Besagne et sur les bords de la Rade, on aime d'abord ceux qui ont laissé une empreinte par leur fidélité, leur soutien et leur affection. Rému était un pingre, avec un grand talent, un grand monsieur, mais pingre pour la ville, il n'a jamais rien donné. Mayol a donné un stade pour la ville. Mayol recevait les joueurs à la villa, à la coquette, je ne sais pas si ça s'appelle la coquette, mais une villa au Cabrun, le clos Mayol, ça, les chanteurs, il a contribué à la renommée de la ville. Cela dit, on serait volontiers tenté de se demander si c'est Félix Mayol qui a fait la réputation de cet enclos de l'autre pareil dans notre monde d'Ovalie, ou si c'est au contraire le stade et le rugby club toulonnais qui ont fait la gloire du créateur de refrains tant à la mode dans les années folles et à la belle époque, les mains de femmes, cousines et à la cabane bambou. Faut pas oublier quand même qu'il a donné 50 000 francs hors de l'époque, plus 10 000 francs hors de la production de ses chansons, et c'est ce qui a permis de faire le stade de Mayol qu'il a inauguré avec M. Claude, qui était le maire de Toulon à l'époque, en 1920. D'ailleurs, les légendes sont ainsi faites que si vous vous amusez à les détruire, vous risquez d'enlever toute la saveur de l'anecdote. Car c'est bel et bien par un heureux hasard de la vie que Parrain Félix découvrit le rugby. Mayol promenait dans sa calèche le long du port. Vous savez, avant le port marchand, il y avait plein de bauxites, des grands tas de bauxites qui étaient évacués de Toulon et des terrains provençaux. Et Mayol, avec sa calèche, qui est un grand seigneur, promenait là. Et Rieux, qui s'entraînait à faire des buts et des drops, ça se faisait déjà à l'époque, a sorti le ballon loin des poteaux, derrière les barrières, les mains courantes. Mayol a pris le ballon, peut-être on exagère un peu en parlant que le chapeau est tombé, que le cheval fit un écart en arrière, comme disait Victor Hugo, mais enfin, il a pris le ballon sur sa calèche,
Il a été surpris. Rieux, qui essayait de chanter un peu comme Labouré a fait les années 60, Rieux qui s'essayait dans la chanson, est venu s'excuser. Il a attiré Mayol, qui a été attiré par cette ambiance extraordinaire qu'il y avait déjà à l'époque. Et c'est comme ça que Mayol s'est intéressé au rugby, c'est vrai. Mais il ne faut pas croire pour autant que le rugby est né à Toulon le jour où Mayol décida, d'un coup de cœur, de s'y associer. Car il existait déjà dès 1902 et le club avait été baptisé l'Étoile Sportive Varoise. Mais pour disputer les rencontres, il fallait se rendre à la Seine. On tenta bien une fusion, mais elle fut éphémère. Et Toulon, à l'enseigne du Mousse Siffleur, décida un soir de 1908, dans un bistrot, du côté de ces pittoresques vieilles rues qui menaient au port marchand, de s'installer à son compte. La belle aventure du Rugby Club Toulonnais pouvait commencer. Sur le monument aux morts, à l'entrée du stade, figure le nom de Paul Gorlier, porté à la présidence par ce groupe de jeunes gens, et parmi lesquels Marius Raymond, père de Jeannot Raymond, qui a été un arbitre bien connu. C'était l'époque fameuse de la Marquisane, terrain situé dans la verdure de l'Escaillon. Verdure, oui, peut-être, mais encore fallait-il faire preuve d'imagination pour convaincre les adversaires. Les dirigeants disaient qu'il n'y avait que des pierres, ci, que là, et Brennus lui-même, en personne, est venu avec le président Gorlier vérifier si c'était bien. Alors, ils avaient invité Brennus et les dirigeants de la fédération à une magnifique bouillabaisse chez Machin là-bas, où Rému allait aussi, et là, ils ont trouvé l'herbe magnifique, etc. Le terrain déclaré jouable, à la grande satisfaction de tout le monde. Et effectivement, à la première mêlée, l'herbe a volé en éclats. C'était des tombereaux d'herbe qui avaient été pris sur les fortifications, qu'on avait posées le matin sur le stade. Dans ce rugby, du temps des lampes à pétrole, des arbres en travers du terrain et de la pyramide pour empêcher les transformations, saluons comme il convient, parmi ces pionniers, Blancan, Rieux, Siri, Marquet, le docteur Busquet, et surtout l'admirable et inamovible Chabou, à l'éponge miracle, et les vaillants Néné Violo et Marcel Levesque. 1909, une première finale en deuxième série contre Montauban. Elle fut perdue. En fait, on s'est toujours demandé si le match prévu à Marseille avait bien eu lieu, tant il y eut des magouilles des deux côtés. Ceci nous ramène donc après la Grande Guerre, avec l'inauguration du stade le 28 mars 1920, grâce à Félix Mayol, qui lorsqu'il monta à Paris pour la première fois, se vit offrir par une chanteuse très amoureuse, dit-on, Jeanne Marsac, un brin de muguet. Il en portera désormais épinglé à la boutonnière en guise de porte-bonheur jusqu'à la fin de sa vie. Et le muguet deviendra, avec ses 13 clochettes, l'emblème du rugby club toulonnais. Sous son règne, les joueurs furent on ne peut plus gâtés. Et il n'était pas rare de les voir, flanqués de quelques supporters amis, juchés sur de superbes voitures, quitter la villa du Clos Mayol pour aller faire la fête dans un plantureux déjeuner sur l'herbe à l'ombre du Pharaon. Dans les années 25, la réputation du rugby club toulonnais commença à dépasser le cadre régional. C'était à l'époque de la domination du Stade toulousain et de l'USA Perpignan. Toulon prit à la qualification face aux Catalans et fut éliminé par une malencontreuse initiative de l'ailier médecin qui voulut aller porter le ballon au milieu des poteaux et qui fut repoussé hors des limites. Et ce fut le match nul, soupirera pendant longtemps de dépit Piturle Latournerie, magnifique arrière de cette génération, avec les Anges Pandolfi, Pasquier, monument de longévité et de fidélité, Amédée Coadou, Lafontan, Eusin, Boréani, Barrère, Hoc, Allègre et bien d'autres. Ah oui, Piturle, c'était un homme adorable. Il a eu un accident terrible sur un poteau de but, là, et il n'a pas vécu longtemps. Il a été très, très malade, il a été opéré, et finalement, il a stoppé sa carrière relativement jeune. Et c'était un mec adorable, c'était vraiment une image symbolique de l'époque. Mais grâce à une active propagande, le club, qui vivait jusque-là, il faut bien le dire, en circuit fermé, attira vers lui de nombreux commerçants industriels de la ville. Dans ce contexte, le pharmacien marseillais Paul Perrand, à qui on ne rendra jamais assez hommage, accepta des mains du docteur Busquet la présidence du club. Et ce fut l'arrivée aussi de l'entraîneur Faury. Le recrutement, grâce à l'apport de la marine, sera fructueux et des joueurs réputés de la côte basque, du Roussillon et d'ailleurs, vers grossir les rangs des Rouges et Noirs. Déjà bien armés, avec les noms que nous avons cités, et les Richard, Dérac, Muyard, Puy, Barre qui étaient déjà là, ainsi que les Dagnon, Castex et Labro, Toulon posséda bientôt l'une des meilleures lignes à la bande de France,
à laquelle il ne faisait pas bon de se frotter à Mayol. Puis ce fut l'arrivée des futurs internationaux, les Bayette, Servol, Jeff Pasco, épaulés plus tard par les Mouda, Chaud, Favre, Barbarou, Weiss, Bonnemaison, les frères Mancier, Vignot et Desjans. Parallèlement, on assista à l'éclosion des joueurs locaux, outre les Boréani, Pandolfi, Quadou, Allègre, celle de Delangre, Renault, Reboul, les frères Bonus, Giraud et plus tard encore Jean-Prin Clary. Pendant 4 années consécutives, les Toulonnais ne concédèrent jamais une défaite sur leur terrain. L'équipe du RCT prit ainsi place parmi les grands du rugby français. Et arriva enfin la glorieuse date du 10 mai 1931 à Bordeaux, la finale. Le rugby français vivait sa première scission. L'UFRA s'était séparé de la fédération et avait organisé le tournoi des 12. La marche vers la rupture avec les Britanniques, commencée depuis des mois, avait été officialisée le 3 mars précédent pour cause de brutalité et de faux amateurisme. Oh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu des brutalités telles que certains grands clubs se sont mis à part et ont quitté la fédération. Et c'était Émile Le Sieur qui était à la tête de la révolution. Parce qu'il y avait des gens qui se battaient, qui se suicidaient parce qu'ils perdaient. Enfin, c'était tout à fait... c'est plus du sport. Les quarts de finale avaient donné des résultats étonnants. Et les demi-finales avaient suivi le mouvement. Loup, Agen, 11-8. Toulon-Narbonne, 9-0. La composition de l'équipe avait suscité de longues hésitations. Outre Renault, le demi de mêlée, qui blessé fut suppléé par Lamotte, et Reboul sanctionné pour avoir joué au poker toute la nuit, les dirigeants décidèrent en dernière minute de remplacer le pilier Vignot, alors qu'il était déjà en tenue. Le brave et dévoué soigneur Chabou eut la triste mission de lui demander son maillot et ses chaussettes pour les porter à la Fontan. Révolté, le bigourdan de Toulon défonça la porte des vestiaires à coups de tête. Dans les rangs toulonnais, des vedettes, Bayette, Servol, Hoc et Barrère. En face, Vincent Groll. Lyon marqua d'abord par Panel. En seconde mi-temps, dans un match au couteau, Servol égalisa. Et quelques minutes plus tard, sur un ballon gagné à la touche et un départ en force de Hoc, Boréani marquait l'essai du titre. L'arrivée à Toulon déclara une telle hystérie collective qu'un nordiste eût pu croire à une révolution. Dans la nuit qui suivit, on téléphona plusieurs fois à police secours et on se vit répondre « Ce n'est pas une émeute, mais un champion de France qui a été reconnu par quelques amis. » Je crois que c'était les débuts d'une grande légende. Bon, en 1929, le club avait été demi-finaliste, avec justement la Tournerie et compagnie. Mais en 1931, ce titre de champion de France, c'était quelque chose d'inexprimable, quoi. Pour la ville de Toulon, c'était quelque chose... Champion de France, les gens qui l'ont vécu ne l'ont jamais oublié. Les 30 000 personnes qui étaient à la gare ont fait... Servol a perdu sa valise. Enfin, il y a eu des histoires épouvantables. On a même retrouvé des culottes, il paraît, dans la rue, c'est vrai? Oui. Et des cravates. Et des cravates, rouge et noir. Des culottes de femmes. Oui, il paraît. Non, mais alors là... Évidemment, il y a la part de l'histoire, quoi. Et mais je sais que j'étais juché sur les épaules de mon père, sur le boulevard de Strasbourg, et j'ai des vagues souvenirs d'un tram poussé, qui avait capoté, qui avait littéralement été poussé hors de ses rails et qui était tombé sur la chaussée. Pour corser le tout, l'équipe réserve du capitaine Pandolfi, de Besagne, ça ne s'invente pas, et des Palavicino, François Bonus, Robert Mancier et autre Émile Giraud, ramenaient aussi le titre sur les bords de la rade. Elle rééditera d'ailleurs son exploit en 1932. Toulon, en cette saison 1931, était bel et bien la capitale du rugby. Et ce, sous la protection bienveillante de M. Scartefig, le maire de Toulon, et bien sûr de parrain Félix. Durant la période qui suivit, le rugby connut bien des soubresauts.